Et maintenant, ce que je propose, c'est de reprendre l'aventure là où on s'était arrêté. Eh ben écoutez, on va explorer, je sais pas de quel côté on va... Bah de ce côté là en fait. Oh, mon spectrum, what the fuck, on peut vraiment ? Oh, mais alors là, si on commence comme ça, moi je vais me régaler en fait. Quoi ? Il est niveau 31 ? Attends, je peux le battre ou pas ? On va tenter une attaque si on voit ce que ça fait, Flamèche. Au moins le tuer pour l'XP, ça serait dingue. Oula. Putain, ça me fout le seum de laisser partir un level 31. Vas-y, je suis obligé de fuir, ouais. Ça se trouve, il va pas me laisser, non? Alors. Ouh, il fait chaud ici. Oh là là. Vas-y, je vais mettre Amixem en tête de ligne. Comme ça, le gars en face, il va être intimidé. Il va se dire, oh putain, 5 millions d'abonnés, ok, lourd. Et là, on va pouvoir prendre la fuite tranquille. Fuite d'Amixem, ouais, c'était sûr. Et voilà. On rentre dans cette ville, on soigne nos Pokémon, et on ressort après en fonction de ce qu'on a à faire ou pas. C'est ça, l'arène? Ça a l'air tellement solennel comparé à sur DS. Attends, il faisait une danse Fortnite, le gars, où j'ai vu là? Attends, je vais juste regarder la carte de ligue de l'autre là, parce qu'il avait l'air incroyable dessus. Ah frère, il est trop badass. Hein. Pourquoi je suis flingué au sol comme ça? Et pourquoi lui il est en mode badass avec une signature dessus? Alors, comment est-ce qu'on surnomme le type O Kélocroc? Moi j'ai bien envie de l'appeler Noxui quand même. Allez Noxui, on va aller essayer d'aller XP dehors en vrai, hein. on va retourner dehors. Oh venez, on se le fait, je m'en bats les couilles. Il sera pas au-dessus du level 31 en vrai, ça devait être un bug Spectrum. C'était écrit, il a l'air très fort non? Hop, ça va être très long, hein. Ok, ça va, JK, il a réussi à fuir. Bien joué mon scrap. Il est niveau 27 aussi, lui, j'avais pas vu, mais n'importe quoi. Oh, je le fume, lui, je l'enfume. On va l'enterrer, je m'en fous. Non. On va fuir, je disais. On va grave fuir, les gars. Bon, on fait l'entre, là. Allez, on fait l'entre, on teste. Je vais essayer en Dynamax, là. Let's go. On a un marin, un chauffeur de salle et deux fermiers, parfait. Pyromax. Mec, par contre, les attaques, je sais plus qui disait qu'il y avait des animations de merde, mais ça va, ils sont chauffés quand même. Bon, allez, c'est bon, c'est mes acolytes qui vont le terminer. Ah, on gagne des CT et tout, une pépite. Oh, je vais me faire de la thune. Vers la thunasse. On rappelle que notre objectif, c'est pas de capturer un maximum de Pokémon, c'est juste de se faire un maximum de blé. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on va aller à l'arène directement. Salut, gros chien. Voilà pourquoi je l'ai renommé gros chien. Pour cette raison. Attends, j'ai un truc qui pourrait te servir. Voilà, tu pourrais te faire tenir ça à un de tes Pokémon. Un morceau de charbon. Ah ouais, qu'il attrape le cancer comme ça, c'est cool ça. Merci Tarak. Moi, je suis recommandé par le président de la ligue en personne, tu comprends. Le défi des arènes, c'est le principe de l'écrémeuse. La crème remonte à la surface pendant que les déchets s'échouent au fond. Il est hardcore dans ses propos, eh. Et moi, je suis la crème de la crème. Alors hors de mon chemin et en vitesse. Je vais le monter en l'air. Oh là, dis donc. Elle a changé la Team Rocket. Oh, aïe, aïe. Ils se retournent sur moi. Oh frère, par contre, ils ont pas 12 ans eux. Hein. Oh, j'ai l'impression qu'ils vont me fouetter. C'est une team sadomaso. Vas-y, let's go, je les prends un V4. Et voilà, niveau 9. Mais oui, je vais les souiller là. Ah, il avait qu'un Pokémon en plus. Bah dis donc, belle team dis donc. Comment tu peux faire le malin et avoir un Zigzaton niveau 9? Ça n'a aucun sens. Mais son Moumouton là, faut qu'il change de Pokémon. Pourquoi il le garde? Je comprends pas. J'ai envie de fumer son Moumouton maintenant. Vas-y, c'est bon, on s'amuse un peu. J'imagine tellement un combat Pokémon comme ça. Ton pote il fume ton Pokémon et il est juste mort quoi. Hop, Moumouton est KO. Voilà, comme ça on passe directement aux choses sérieuses. Allez, à plus la team Yel. Mesdames et messieurs, cher public, je suis Chéros, le président de la ligue Pokémon. Alors lui, ça se voit, c'est le big boss, quoi. C'est le padre, tu sais. Avec la petite mèche qui dépasse comme ça. Ouais, ils ont trop voulu les faire badass. Bah, ils sont tous moches, hein. Oh là là, regardez ça, hein. Ça va chanter la Marseillaise en balle, là, sur le stade. Bah, on dirait vraiment, on va faire un match de foot, gros. C'est trop bizarre. On vient de s'inscrire au défi des arènes. Du coup, ça implique que on va devoir parcourir toute la map pour faire les 8 arènes. Attends, je vais parler au frérot, là. Si un de tes précieux Pokémon est blessé, utilise une potion pour leur mettre sur pied. Putain, quel conseil de génie. T'as des potions? Même pas. Il sert à rien, en fait. Oula, il y en a plein de nouveaux, là. Viens là, frérot. Vas-y, on l'attaque. Je sais pas ce que c'est comme Pokémon. Un tournicoton. On le capture. Attention, les gars. Je vais vous demander un maximum de silence. Parce qu'il y a Pumpkin qui évolue. Aïe, 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 aïe. En vrai, il a la meilleure évolution des starters. La deuxième. Oh, c'est rapide. Pumpkin évolue en lapiro. Ok, on va bouger. On va juste faire les dresseurs. Oh putain, elle m'a snipé. Comment elle s'appelle? Noémie l'écolière. Bah tu vas retourner faire un peu tes cours là. Je pense que Noxui va se faire détruire un peu, non? Oh ouais, il y a fortement moyen, je pense. C'est la fin de la carrière de Noxui. Joyka qui va venger Noxui. Et c'est la fin. Ciao, bye. Je vais en profiter pour changer ma carte là, quelqu'un vient de me le rappeler dans le chat. Ben voilà, on a une belle carte là. C'est bien mieux, comme ça quand je filerai ma carte, je serai pas complexé. Alors c'est quoi ces Pokémon là? Je suis quand même curieux. Testons. Un Charby. Il fait... Ouais, très rocailleux. Hein. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il soit très fort en tout cas. Allez hop Charby. Riku, redonne-moi la vie que tu m'as pris. Elle est actuelle niveau 15. C'est un dresseur lui. Pourquoi sa Pokéball brille? Je comprends pas. Regardez sa Pokéball, j'ai l'impression qu'elle brille. Je pense qu'il a un seul Pokémon, mais bête de Pokémon. Et vu que c'est un facteur, Goélis, Béquipan ou Cadoiseau. Oh là là, mais mec. Bang!
l'expert Pokémon. Ah, maintenant on peut le dire, je suis un peu le professeur. En plus, je fais roulade instinctivement, c'est super efficace. Et il a qu'un Pokémon, bien sûr, ça je l'avais call. Au Poké Camping, vous pouvez vous lier d'amitié avec vos Pokémon en jouant et en mangeant ensemble. Ah oui, d'accord, c'est violent. Waouh, 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 wow, je me fais gangbang, c'est bon, ok. Je vais sortir d'ici, moi. Ouais, le campement de Sandrine, bah elle s'amuse bien, Sandrine, mais je vais partir d'ici, moi. C'est bon, si on peut plus capturer les Pokémon de Sandrine aussi. C'est qui, c'est un écolier, lui? Brutus. T'es un rude de s'appeler Brutus. Gris, Pat, on l'a jamais vu, lui. Bah on aurait mieux fait de jamais le voir. Avec Joyka, ça devrait le faire, pic-pic. Sauf si c'est un type insecte, je sais pas si ça marche, mais normalement, oui. Je vous l'avais dit, hein. Je suis mort, on dirait du bacon. J'avoue, c'est une tranche de bacon, le Pokémon. Collé au dôme. C'est un type quoi, ça, un insecte? Je vous avoue, je suis un peu perplexe face à ce Pokémon. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Ouais, insecte. Ou plante. Je vais le fumer avant qu'il me tue, mais il m'a fait mal. Type origami. J'avoue, de ouf. Hop, donne-moi la thune maintenant. En parlant de pumpkin, il y a le fauve qui arrive. Regardez-le comme il est beau. Attends, mais là, ça veut dire que là, je peux poser une toile de tente, là? Ah oui, et là, je joue avec mes Pokémon. Oh là là, Pumpkin, le swag, quoi. C'est le solitaire du gros. Regarde ça, il va dealer. Et il va dealer avec Pifeuille. Donne-moi du shit. Quoi? On pourrait vraiment faire des dialogues, ça me fume. Je regarde un petit peu. Amix et Melinka qui discutent là-bas, ça discute au Pesponso. Joyka qui est dans les airs, quoi. Dans les airs. Noxy un peu perdu, hein. Noxy, on... Il est serein, quoi. Il vit sa petite vie, il est tranquille, là. J'ai vu un truc qui brillait, là, non? Ou j'ai rêvé? Il y avait pas un truc qui brillait? Ah si, il y a bien un objet qui brille. Ah, je suis pas fou. Un morceau d'étoile en plus. Qui brille d'un éclair rouge, peut-être vendu à bon prix. Putain, on va se faire v'là la tchunasse. Le gars, il est censé genre miner, mais il veut juste se battre en fait. Il a le sang chaud. Mon partenaire et moi, on est comme les deux doigts de la main au boulot, comme au combat. Eh ben, on va vous briser comme deux doigts de la main, c'est parti. Johnny l'ouvrier. Nodulite. Ah, mais c'est lui. Ok. Noxu est résistant. On le termine, on gagne de l'XP, on passe niveau 16, et puis voilà. Oh là là les gars, c'est parti. Les gars, c'est Adam qui nous régale. On lui envoie l'Arvadar, il va être dégoûté. Ah, un goalies, yes. Ah, grave lourd. Oh, c'est trop bien les échanges mystères, là, je vais faire que ça. Échange magique, on va renvoyer goalies. Oh, il était niveau 7 en plus. On va avoir de la chance, les gars, je le sais. Oh, il y a le fils de chien de tout à l'heure qui nous prenait grave de haut. On va le fumer. Toi, là, avec l'étoile vœu, tu es peut-être arrivé jusqu'ici, mais c'est la fin de l'aventure pour toi. Un conseil, fais demi-tour ou tu vas passer un mauvais moment. Ou alors toi, frère, je vais le désosser. Il va voir ce que c'est. Ah, il fait trop le malin, j'avoue il est détestable. Nucleos, je sais même pas ce que c'est comme type de Pokémon. Morsure, j'ai l'impression que morsure ça pourrait marcher contre lui. Yeah, mais mec, mais what the fuck, Neoxouï? Je suis bon prince, j'offre un moment de gloire à ton Pokémon. Frère, il s'est fait one shot ton vieux gars. Hop, on va faire que des morsures, je le sens, ça va passer. Miskin, imagine un jour dans ta vie tu fais autant le malin que lui, et le moment où tu dois faire tes preuves, tu fais autant de la merde que ça. Vas-y, les trucs confus par contre, c'est marrant parce que... Bah ça fait rien sur moi souvent, voilà, allez, tchobaï. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ça, j'avoue, tu te défends. Mais tu es tombé dans mon piège, tout ça c'était juste pour savoir comment tu combattais. Bien sûr, frérot. T'appelles Trévis déjà. Échange effectué. J'ai besoin d'un petit temps de préparation, s'il vous plaît, c'est un petit peu comme si j'ouvrais un pack. Je vais appuyer avec mon nez, regardez bien. Regardez bien ce qui va se passer. Je vais choper un Pokémon super rare, c'est évident. Et attention. Ah, on a récupéré un Noxouille. Putain, on va relancer. Oh, échange effectué. J'ai appuyé super vite. Je me suis dit, peut-être si je spam, je vais avoir un Pokémon rare. Vous êtes prêts ou pas? On va y aller en avant tous ensemble. Oh, on échange Noxu contre Amixem. Ok. Let's go. C'est un moment solennel. 3, 2, 1. C'est parti. Oh, il y a un petit flanc un peu là. Oh, il est stylé en vrai. Oh, je suis grave pas déçu. Ah, je suis saucé. Ah, le sang. Ah, Joyka, le sang de la veine, gros. Pumpkin, arrête un peu, s'il te plaît. Putain, mon chat, il fait v'là les bruits quand il miaule. C'est bizarre, vous avez entendu, vous aussi? Amixem niveau 18, ok. Évolution d'Amixem ou pas? Ok, un maximum de silence dans la salle, s'il vous plaît. Chut. C'est parti. En vrai, il est lourd. J'aime... Ah si, il est lourd. En vrai, il est lourd. Maintenant, je vais devoir packer le Pokémon super rare parmi l'échange. La vie nulle de... Oh putain, j'ai cru que j'avais envoyé Amixem, j'allais dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Allez hop, on envoie Amixem et on récupère le meilleur. Non, pas maintenant. Après, quand je dis on récupère le meilleur, c'est tout à l'heure. Il y a un Miaouss là derrière. Pumpkin, ça va, 2 minutes. Oula, arrête de me charger toi. Mais frère, je me fais agresser. Alors, mais arrêtez, j'ai sifflé ou quoi? Ah, y'a une Pokéball là-bas, j'y vais juste. Arrête de m'agresser, toi. Mais pourquoi ils me courent tous après là? J'ai pas sifflé, j'ai rien fait moi. Là, y'en est arrivé. Oh, la reine, elle rigole zéro. Waouh, notre équipe, elle commence à avoir une sale gueule là. Franchement, Amixem, Joyka et Pumpkin, ils pèsent. Il te vaut de quoi ce géoglyphe? Moi, là, je vois un Pokémon qui rugit et qui fait tomber plein d'hommes ou plein de Pokémon. Oui, je vois ça aussi, même si les volutes noires sont presque effacées. En tout cas, merci. Ça m'a bien aidé que tu me donnes tes impressions. Pas trop, hein. On va pas se mentir, je t'ai pas trop aidé quoi. Alors, on va prendre une photo, attendez.
Hop les, c'est capturé. Un moment de fun, incroyable. Hop, on va pas se mettre devant, on va juste se mettre ici. Regardez, on fait un screenshot tous ensemble de votre somme. Hop. Et on lance l'échange. Regardez, encore une capture d'écran. Hop. Et hop les, c'est Joyka aussi. C'était prévu. C'est normal. Non, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est parce que là, en le renvoyant, je vais grave grow up. Tout était prévu, hein. Regardez bien, vous voulez une annonce, une vraie? Dans 6 échanges, précisément, dans 6 échanges, j'ai mon shiny et mon Pokémon légendaire. Attends. Vraiment là? Remontre-moi ta tête, s'il te plaît. C'est moi, la balle masquée. La Pokéball que je vais te donner, c'est le symbole de l'amitié. On n'oubliera pas ce moment. Hein. Dans chaque arène ou stade, si tu préfères, tu devras accomplir une mission d'arène afin de pouvoir affronter le champion. Il te faudra vaincre les 8 champions pour récupérer les badges respectifs, d'accord. Oh là là, mais mec, c'est... Attends, mais qu'est-ce que c'est, là? Qu'est-ce qui se passe? Il faut faire tout ça pour aller au champion d'arène ou pas, là? C'est une blague? Bien, je vais te décrire l'objectif de la mission d'arène de Greenbury. C'est simple et ludique, il faut courir après les moumoutons. Le but, c'est de les rassembler au pied de la barrière en bottes de paille. Ah oui, c'est vraiment chien de berger simulation, quoi. Ah mais il ne bouge pas, en plus, c'est facile, du coup. Imagine, tu veux devenir dresseur Pokémon, t'es saucé, tu dis ah ouais, les combats que tu vois à la télé et tout. Et à la fin, et tu te retrouves à faire ça. Dans une tenue de Inazuma Eleven. Ok, let's go, on y va, il y a deux chiens, c'est pas grave. On passe sur les côtés. Regardez ça, je suis un berger de compétition. Nope. Ah non, ça se passe mal. Oh, il est en train de me faire cambrer le chien. Mais dégage. Oh là là, et c'est l'événement national. Oh, aïe, j'ai l'impression qu'on va faire un combat de catch. Il va me soulever par contre. Hein. Il a l'air gentil. Il ressemble grave à un personnage dans Mario. Genre Todd. Je kifferais, là, il se retourne et il lâche un gros flingue, il le fusille. Vas-y, Percy, montre-nous un peu ce que t'as dans le ventre, là. Tournicoton, ok. Et bah, ça va se faire one shot en balle, hein. Ok, ça va dynamaxer, à ce que je vois. Ouais, on va lui laisser aucune peine. Pyromax. Oh là là, Pummy Boy, là, qui est déchaîné, hein. Ouais, gros, le tournicoton. Il le reverra plus jamais, hein. Dans la vraie vie, il serait juste calciné. Niveau 20 quand même, hein. Après c'est sûr, il va se faire one shot, mais niveau 20 quand même. Attention, il envoie Blanc Coton en Dynamax, ça fait un duel de Megazord un peu. Bon, ça change rien, tu vas quand même te faire one shot, frérot. Oh, il va se faire fumer, c'est sûr. Oh. Et t'imagines, le pire c'est que le gars, on en fait tout un fond autour de lui, il Dynamax son Pokémon et il se fait one shot quand même. Vraiment la loose du champion d'arène, quoi. Je suis nul, j'ai beau tout donner et tu me roules dessus. Waouh, 3 200 €. Et allez, le badge. Oh, ça forme un anneau à la fin. Eh ben, parfait, on a notre premier badge. Oh, attention. Attention. Ma théorie va-t-elle se confirmer? Putain de merde, là. Zigzagoon. Ça me fume le nom anglais. Zigzagoon. Eh ben, écoutez, messieurs, dames, ça ne sera pas ce soir qu'on aura malheureusement le Pokémon Shiny ou autre. Bon, écoutez, les gars, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour de prochains lives et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.